Bonjour à tous et bienvenue. Moi c'est Lauriane. Ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Donc je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Tout ce dont je peux parler se retrouve en lien sous la vidéo. Je vous mets les liens vers mes fiches ravelry où vous trouverez euh, tous les détails importants de mes projets tricot. Euh, et si je mentionne quelque chose, je le mets en dessous. Si jamais j'ai oublié, parce que ça peut arriver que j'oublie, euh, n'hésitez pas à vous à le demander et je vous répondrai euh, avec grand plaisir. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire l'eau demoiselle. On se retrouve pour euh, donc une nouvelle semaine. On est lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon, ici c'était tranquille. Voilà, un week-end pas trop chargé, ça a fait du bien. On est en train de refaire notre salle de bain. Donc euh, voilà, je... mon chéri fait les travaux. Moi, j'attends ma partie, euh, la déco. Hein. J'arriverai à la fin pour la déco. J'arrête pas de lui dire, moi, j'attends, je suis prête, hein. je suis prête à, à aller faire les magasins pour trouver des petits nouveaux trucs de rangement, tout ça. Mais euh, bon, bah, c'est pas pour tout de suite, pour ma part. Donc, j'ai euh, tricoté un petit peu, pas tant que ça, parce que on sent l'effet du printemps, grand ménage de printemps, tout ça. Il y a eu du remue-ménage pendant ce temps-là de mon côté, donc euh, pas énormément de tricot, mais j'ai quand même quelques petites avancées. Aujourd'hui je porte mon gilet Vez, un modèle de Nadia de NCNIT. Je m'en souviens parce que j'étais super fière d'avoir fait ce modèle là avec tout ce petit point de dentelle sur le devant du gilet. Ah je l'aime beaucoup. Avec là le détail de, de l'épaule en côte, des manches. Ah, C'est les manches là où on fait des rangs raccourcis comme ça il me semble. Ouais, c'est pas des manches tombantes, hein. j'ai pas l'impression. Non, non c'est ça, c'est des manches montées, il me semble. Et maintenant, ce joli motif avec de la laine de chez Vilaine. Non mais non, je l'aime beaucoup ce gilet-là. Et c'était des petits boutons de chez Listeller, mais ils tiennent pas. Ils sont juste là pour faire beau. Voilà pour ce que je porte, ouais, non, je l'aime beaucoup ce petit gilet là et puis ouais, je me souviens de la fierté de l'avoir fini, alors en soi c'était pas un motif très compliqué, il se fait sur pas beaucoup de mailles et on répète toujours le même tout du long Mais euh, ouais non j'étais quand même pas peu fière de moi quand je l'avais fait celui-là et il a déjà quand même plusieurs années Mes chaussettes elles ont un petit peu avancé durant le week-end, j'en ai terminé une Hop donc euh, des chaussettes euh, dont j'ai tricoté tout le tube avec la machine de Hog oh, Knit. D'ailleurs ça vous a plu de la revoir. je suis toujours aussi conquise. Alors l'avantage de cette machine là c'est que par exemple moi là je me suis fait une, une paire de chaussettes avec le tube de 60 mailles. Donc ça me permet d'avoir un plus grand... une plus longue chaussette que ce que je fais moi habituellement à la main. Parce que en fait naturellement moi je vais plutôt vers 72 mailles quand je tricote à la main. Quoique je sais que j'ai... Euh, je me suis quand même détendue euh, au niveau de ma tension Et que je pense que si je me referais la main je reprendrais une taille en dessous Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude pour l'instant encore d'avoir des autorayantes Où euh, j'ai la bonne longueur de pied Mais j'ai surtout une longue tiège Moi bon, justement elles sont quand même plus courtes Puisque ben, plus il y a de mailles moins euh, on peut faire de hauteur Donc là j'ai quand même une chaussette avec... Hop, une tige assez haute, alors j'ai pas fait beaucoup de cotes moi, hein. j'ai quand même dit rendre côtes et après j'ai fait un rabat, mais parce que je me suis dit bah, qu'elle montait déjà assez haut et qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire plus haut. Donc là c'est la laine du le bruit des aiguilles que j'avais acheté au Ch'ti bazar cette année là en 2023, moi l'an dernier, en 2023, et voilà c'est le coloris de 2023. Et le mini je me souviens plus, je été pioché dans mon stock, il a plus d'étiquette... Euh... Là, je sais plus du tout d'où il vient. Donc, la deuxième, elle a son talon, sa pointe. Il ne me reste plus qu'à faire les côtes et elles seront terminées. Sur le coup, euh, où est-ce que je me suis dit Ah, je vais avoir les deux mêmes chaussettes. Ah oui, c'était au niveau des pointes que je suis sur la même rayure. Je me suis dit, j'ai les deux mêmes chaussettes. Sauf que je pas fait attention que à la rayure suivante, on n'est pas pareil. Puisqu'elles ont été, je sais pas, elles sont à la suite l'une de l'autre. C'est ça, je sais plus. Ben, C'est Toujours utile que que ben, au final, c'était pareil, pas pareil. Le, le, la ligne rose elle est au même endroit mais c'est les lignes de vert, les rayures de vert qui sont pas dans le même sens Bon c'est pas grave, moi franchement ça me dérange pas du tout, je trouve ça même rigolo Donc euh, c'est des presque pareil pas pareil mais franchement c'est pas quelque chose qui va sauter aux yeux là sur des auto comme ça Faut vraiment avoir le nez dessus pour voir la différence Et donc il me reste plus qu'à faire les cotes euh, Bon bah, ça va être de les faire cette semaine hein, tranquillement il ne me reste plus que ça qu'à faire. Et après, je vais refaire une paire de chaussettes, mais je pense refaire un tube à nouveau aussi, parce que c'était simple, c'est rapide, et que j'ai beaucoup de laine autorayante à faire, et que j'aimerais voilà, les utiliser, et que ça arrête de dormir dans mon stock de laine. Ensuite, alors, j'aimerais bien avancer sur mon Whitmore, le pull Whitmore de Amy Loden. Depuis, que je vous l'ai montré la semaine dernière dans le dernier vlog, il n'a pas énormément avancé. L'une d'entre vous m'a dit hein, qu'il y a un, un petit regain de. Comment dire ça Un petit regain de. J'ai perdu le mot. Bon, bref, il revient à la mode. Voilà. Euh, apparemment, il, voilà, il est retricoté pas mal de fois on le revoit un petit peu partout. Bon, ma foi c'est vrai qu'il est super beau, il est très joli après ils vont bientôt, il a vraiment plus être deux saisons parce que voilà, doubler uh, fingering et mohair c'est chaud et moi là ma fingering c'est la... du BFL et je vous l'ai dit la semaine dernière vraiment on sent que ça a été un pull qui est bien chaud mais je suis vraiment contente euh... ouais, ça faisait un moment que je l'avais fait et je remercie encore Isabelle qui m'avait offert le patron et euh, ouais, ça faisait un moment que j'avais tout, et la laine et le patron et voilà au moins il sera fait j'en profiterai surtout l'hiver prochain mais au moins il sera fait. J'ai tricoté quelques rangs depuis que je vous l'ai montré, mais vraiment pas beaucoup. Genre 2-3 rangs, 2 rangs. Je viens juste commencer le deuxième écheveau. Donc l'objectif cette semaine sur ce pull-là, c'est de faire le corps. Voilà. Je crois que j'en suis à peu près à la moitié sous les emmanchures, mine de rien. J'ai quand même tout ça déjà sous les emmanchures. Et je vais respecter les longueurs. Je crois qu'elle demande 28 cm plus 6, 6 cm de côte et ben, je vais faire ça, ça me paraît vraiment bien. C'est une longueur de pull que j'aime, que j'apprécie de plus en plus. Et donc je vais faire ça pour celui-ci. Donc finir le corps cette semaine sur mon Whitmore. On verra bien si j'y arrive ou non. Pour rappel, je le tricote avec donc, la BFL de teinture lurée, le coloris Hunter Sandmal Et le mohair, c'est du mohair de chez Yarnoline. C'est son coloris Miss Timide, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire. Ensuite, le deuxième en cours que j'ai, c'est mon test pour euh, Nadia Encelnit. Hop, je vous montre, j'ai terminé le dos. Le voilà, le voici. Donc là, il faut que je reprenne pour relever les mailles et commencer les demi devant Je vous avais dit, j'aimerais... Euh, alors ça, cette semaine, j'aimerais bien faire les deux demi devant pour ensuite venir les rejoindre sous les manches. Donc ça, ça va être l'objectif de la semaine, faire les demi devant pour... Euh, pour Ensuite rejoindre. Alors en rond c'est un gilet donc ça sera pas en rond mais au moins que tout soit ensemble et puis euh, que je déroule le corps. Voilà. Oh, J'aime beaucoup les couleurs, je vous l'avais dit. C'est là. et euh, Pour le coloris principal c'est de la Hélène Hélène. Alors pour la fingering que j'ai pris en merino et nylon c'est le coloris Tequila Sunrise et j'ai pris le Mohair Paluma pas il me semble de mémoire. Et donc euh, voilà les deux ensemble. Le, la fingering est nuancée, mais j'ai pris un mohair beige, euh, pas beige, mauve, uni. Et ça permet de... Hop, on voit quand même les nuances. Mais c'est un peu atténué et j'aime beaucoup. Et pour les rayures j'utilise de la, euh, la laine fil Dorus. Euh, j'ai oublié. fil Dorus avec un mohair de chez knitting for Olive. J'avais un reste de mon pulmidas que j'avais fait. Et donc euh, j'utilise les deux ensemble, je vous les montre hop Voilà pour les laines contrastantes Et donc là bah, maintenant j'ai plus qu'à faire les, à attaquer les demi-devants Ça va être vraiment très, alors c'est très doux, très doux, très, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup beaucoup Et donc sur les devants il y a un petit, un petit truc à faire, je vous le montrerai euh, en détail euh, la... dans la semaine et un dernier rencours sur mes aiguilles, j'ai commencé le Fiber Fest Shawl de Steven West. Je vous en avais parlé la semaine dernière, je comptais le commencer la semaine dernière, mais finalement bah, j'ai fait... J'avais choisi de refaire un châle katana, red katana, et donc je ne l'ai pas commencé. Alors je le tricote avec ce trio de laine-là. ici c'est l'une du loup de tricot estiche que j'ai pris en BFL. Pour on me suis rendu compte en recherchant l'étiquette. Pourquoi j'ai pris BFL à l'époque Je ne sais pas. Je pense que j'avais bien aimé euh, le rendu des speckles sur la BFL. Ici c'est Réveillon dans sa base Extra Fingering. Donc ça doit être euh, 85% Merino, 15% Nylon. Et là c'est euh, Laine et Chandron. C'est pareil, c'est euh, Merino et Nylon. Je n'ai plus le pourcentage. Mais voilà. Et c'est le coloris bleu, Bloody Wolf. Oh, je sais pas comment on dit. Bref, j'ai fait la fiche Ravelry pour trouver tous les détails sur ma fiche Ravelry pour ce modèle-là. Autant le gilet Ennit, est nid, comme c'est un test. Pour l'instant, il n'y a pas de fiche Ravelry euh, assortie. Et voilà le début. Oh, j'adore. C'est super beau. C'est hyper addictif. Euh, c'est juste Steven West. Moi, j'adore tricoter ces modèles. Euh, là, dans l'idée un peu des. Des sections en raccourci, ça fait penser un peu au, au Exploration Station que j'ai déjà fait deux fois et j'aime beaucoup. J'adore ce modèle-là, par justement ses formes et tout. Et je suis contente de retrouver un truc euh, euh, un peu similaire, même s'il est quand même très différent parce que là, on fait ces petites boules-là. C'est trop rigolo, j'aime bien. C'est pas compliqué à faire. C'est pas, ça ressort un peu comme des notes, mais c'est pas des notes. Et donc voilà. Et on a. Donc on fait une première section là, vous voyez, de rang raccourci. Et là je commence une, une section de brioche qui va faire tout le châle normal. En fait, on fait de la brioche classiquement et après on va refaire cette section-là, mais dans ce sens-là. En fait, ça sera large ici pour venir se réduire là. Tandis que là, vous voyez, c'est large là et ça vient réduire là. Donc on a commencé par ici avec un icône sur lequel on vient relever les mailles. On fait quelques rangs avec des jetés, du point mousse. Et ensuite, on vient attaquer ça. Donc là, c'est les deux coloris de chez Tricot Stitch, Réveillon et Lune du Loup. Il y a une vidéo, il y a une vidéo pour la l'icorde, il y a une vidéo pour faire ceci. C'est vraiment pas compliqué. Il y a des vidéos pour la brioche. Euh, voilà. Là, c'est de la brioche simple, unico, bicolore, mais ce, ce, peut-être avec des augmentations. Mais en tout cas, je sais que la section après, elle est simple. Par contre, il y aura des, des augmentations et des diminutions pour la bordure qui forme un joli motif. Et ça, ça va être chouette à tricoter. Enfin voilà, donc là j'ai fait ça hier. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'aimais bien. Donc là je viens d'insérer mon... le coloris de chez Laine et Chaudron pour faire euh, la brioche. Mais euh, vous le verrez mieux la prochaine fois. Pas d'objectif particulier sur celui-là. C'est vraiment euh, quand j'ai envie de le tricoter, je le tricote. Moi euh... ouais, je sais que ça va être additif et que je vais prendre beaucoup de plaisir à tricoter. C'est ce que j'aime avec les Steven West, c'est que c'est des constructions différentes de ce qu'on a l'habitude, c'est des petits points nouveaux comme là, ce petit point là. J'avais jamais fait avant et je pense que je le referai jamais après, c'est vraiment que là pour ce shell là et euh, ouais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Par contre il est cru en anglais, hein, Steven West euh, il a quand même pas mal de vieux patrons qui sont disponibles en français mais là les récents ils, ont pas, ils ont pas encore été traduits et sont pour l'instant en anglais. Donc voilà, principalement les trois en cours que vous allez suivre cette semaine. Euh, le gilet et Nid, je voudrais avoir les deux demi-devant. Finir le corps de mon Whitmore. Et puis euh, lui, il va, on verra bien où est-ce qu'il avance. Et j'ai encore aussi ma chaussette et ma couverture de Steven West. Voilà pour ce début de semaine. Aujourd'hui, je porte mon gilet givre, un modèle de Laetitia, même les anges tricote. C'était le premier modèle que je tricotais de Laetitia, il me semble, ou le deuxième. Je ne sais plus, mademoiselle Kate, je ne sais plus qui est-ce que j'ai fait avant le Enfin bref, en tout cas, c'était le premier test pour Laetitia, je l'avais tricoté en test. Donc, ce très joli gilet que moi, j'ai fait en manches longues, mais que j'ai gardé quand même les volants parce que j'aimais beaucoup cette idée de, de volant qui sont très euh, c'est très sympa à tricoter, on le tricote dans ce sens-là. Donc voilà, moi j'ai des très grandes manches comme ceci. Je l'avais tricoté dans un fil de Ingrid Une louve dans les bois que j'avais acheté au petit bazar 2022. C'est qu'il est très euh, fluide et tout est très agréable. Voilà pour ce que je portais. Aujourd'hui, je viens vous parler de ma Jinxo puzzle blanket. Euh, je vous avais dit la semaine dernière que je commençais un peu euh, fou, à en avoir marre de ma couverture. Je voulais euh, mettre un petit coup de turbo dessus, la passer, on va dire, en tricot, en, en cours principal. C'est-à-dire, en fait, ne plus tricoter deux sections par semaine, mais en tricoter plusieurs pour la finir. Parce que mine de rien, bah, je l'ai depuis le mois de novembre. Que ça prend du temps et que là, voyant la fin approcher, bah, j'avais vraiment envie de voir la fin. Et c'est chose faite. Hop, je vais vous montrer. Hop voilà la bête. J'ai terminé entièrement ma couverture. C'est ce que j'ai tricoté en fait ce week-end. Là, vous la voyez pas mal. Elle fait son poids. C'est lourd. Alors, je voulais quitter. C'est de l'autre côté. J'en étais par ici. Hmm, j'avais fait ça. Qu'est-ce que j'avais fait Je ne sais plus. Ah oui, si, c'est ça. Oui, j'avais fait le blanc, le beige, là, le blanc à speckle. Après, j'ai fait cette section-ci. Ça, c'est un reste de Pauline de mon Exploration Station de Bulbe Bizarre. C'était sa collection de packs de l'an dernier. Tout au début, en fait, de sa, de son. J'ai fait cette section-ci, la bleue, qui est un reste de zincendigo de By Night. Là, j'ai une petite section beige avec des speckles. Là, c'est un reste arco yarn. Là, je pense que c'est peut-être la laine de mout, mais j'en suis pas sûre à 100%. J'ai un tout, j'arrive plus à me souvenir du quel projet c'est. Là j'ai un petit bout. Ça c'est la laine de mouton. ça. Ici, il me semble bien aussi. Et la dernière section, c'est celle-ci. Ça, c'est la Arco hérissienne aussi. C'était les clubs Ghibli. La dernière section à ce niveau-là. Et j'ai fait la corde tout autour du, de ma couverture. Pour la j'ai utilisé une pelote de, de Sink que j'avais, qui m'avait été envoyée par Languerne. Euh, courant de l'an dernier, mais juste une pelote. Et ben, c'était parfait pour faire euh, tout l'icord. J'ai doublé le fil et j'ai fait tout l'icord. Donc j'ai relevé les mailles au fur et à mesure que j'ai fait, que j'ai fait l'icord. J'ai rentré les fils dans la... J'ai très... en fait, j'ai rentré, coincé les fils dans l'icord au fur et à mesure que je faisais aussi le tour de la couverture. Donc on fait vraiment tout le tour. Alors moi j'ai fait un icord de la même couleur tout du long. Hop, j'ai pas vraiment suivi ce que disait Steven West, ouais, Je sais pas trop ce qu'il était dit. Moi, je savais que il fallait faire un eye quand j'étais là. Hop, je suis partie faire mon eye et puis c'est tout. Donc, euh, je l'ai fait tout autour de la couverture. Je trouve que ce ce mauve parme ma foi va quand même bien. Donc, j'ai fait tout le tour. Donc, ça m'a permis de coincer les fils dedans, de les cacher. Ça faisait moins de fils à rentrer. Il y avait énormément de fils que j'avais. Coincé en les tricotant en faisant d'autres sections. Donc euh, sur toute la couverture j'ai eu euh, 5-6 fils à rentrer, c'est tout. Par contre il a fallu couper tous les petits bouts de tout le monde parce que par contre j'avais rien coupé. Donc ça c'était un peu long. Je suis pas sûre non plus euh, de l'avoir fini à 100% de couper tous les fils parce que on n'est pas à l'abri d'un petit fil qui est passé à la trappe. Mais vous voyez ce que ça donne un peu de l'autre côté, c'est pas moche. Hein. Franchement sa manière de relever les... les mailles, ça forme des jolies finitions hein, tout de même. C'est vraiment pas moche l'arrière. Ça fait comme une sorte de petite tresse à chaque fois là, j'aime beaucoup. Mais ça y est, elle est finie. Alors je l'ai pesée, elle fait 1,2 kg. Donc c'est pas rien. Euh, dans le défi euh, 2024 grammes, elle pèserait quand même pour beaucoup, mais je la compte pas dedans puisque c'est que des restes de laine. C'est un ouvrage que j'avais commencé avant 2024 et puis c'est des restes en fait. Donc moi je les reste, les restes, je ne les compte pas dans le défi, en fait moi dans le défi, ma manière à moi de le faire pour moi et parce que ça me convient comme ça c'est d'enlever des échevaux pleins de mon stock de laine. Euh, voilà, je mets si j'utilise un reste, il ne compte pas dans le projet. Comme je ne calcule pas non plus les restes. Par exemple je vais faire un pull. Euh, j'ai utilisé deux écheveaux et 75 grammes du dernier écheveau. Moi, je vais compter pour mon, mon défi que j'ai utilisé 300 grammes de laine. Voilà, j'ai vraiment bien entamé le troisième écheveau. Euh, il part en reste et donc euh, après, il compte plus. Mais par exemple, euh, je vais utiliser un reste pour un jacquard. Bah, ça, je vais pas le, comptier, je vais pas le comptabiliser dans mon défi. Hein, le défi de chaque apuche sais que tu passeras par ici. Enfin bref, voilà. C'est ma petite façon à moi de voir les choses et euh, de d'éviter avoir à trop tout peser tout ça. Mais voilà. Donc la couverture, elle est terminée et je suis contente. Je l'ai pas lavé, Je ne compte pas la laver tout de suite. On va. Je ne sais pas si on va en profiter là, parce qu'en ce moment les chats ils sont terribles et ils vont. Je sais que si je la sors, ils vont forcément aller dessus et ils vont faire des accros parce que ça ils l'ont déjà fait de faire des accros dessus avec leurs griffes. Donc euh, je crois qu'on va pas l'utiliser là parce que bon il fait chaud maintenant, il n'y a plus forcément de besoin. Et je vais pas la mettre sur le canapé parce que les, les chats ils vont l'abîmer. Euh, donc ça je vais la mettre de côté je vais l'utiliser l'hiver prochain. Et par contre euh, voilà, après qu'on l'aura utilisé un peu je vais la laver. Et je vais essayer de la rendre rectangle. Parce que là vous voyez, j'ai un côté. Vous voyez, donc là ça penche, mais bon. Là j'ai un côté que... Alors comment dire Je vais dire, là j'ai la largeur, vous voyez entre mes deux mains, j'ai la largeur de la couverture, et ben ça c'est la largeur du, de l'autre côté, en bas de la couverture. Donc euh, j'ai plutôt un trapèze euh, qu'un... Qu rectangle. Il n'y a quand même pas un trapèze, moi bref, c'est vraiment pas... Elle est vraiment pas rectangulaire, j'ai un côté qui est beaucoup plus grand que l'autre au niveau de la largeur. Donc je pense qu'elle a besoin d'être lavée, euh, notamment bah, de ce côté-ci, c'est la partie où j'ai terminé pour essayer d'élargir ce côté-là. Mais de toute façon, là avec mon eye cord il ne va pas s'élargir euh, beaucoup plus. Bon enfin bref, elle n'est pas très très euh, rectangulaire, mais ça reste une couverture de reste. Voilà, c'est pas très grave. Euh, le principe, il faut qu'elle est euh, sur nous, on ne verra plus qu'elle n'est pas très rectangulaire. Mais c'est vrai que ouais, elle est un peu, euh, un peu difforme. Ah, vous voyez, si j'essaie de la piller en mettant les quatre coins ensemble, on voit bien qu'il y a un grand décalage entre deux côtés. Je ne l'ai pas dans le sens de la longueur, c'est vraiment que dans le sens de la largeur. Alors, je voyais bien sur les photos hein, qu'elle n'est pas parfaitement rectangulaire. Bon, la mienne, elle n'est pas du tout. Mais après, elle n'est pas lavée, bloquée, tout ça. C'est vrai que si je la laverais et que je l'épinglerais comme il faut... Mais voilà, une bonne chose de faite, elle était finie. Euh, Bof bah, non, c'était pas trop long de faire les six. J'avais six sections, je crois, encore à faire. Euh, bah, non, parce que je jouais avec les couleurs. Parce que je me disais, ça y est, c'est fini, enfin. Euh, L'icorne, ça a été. C'était pas trop long non plus à faire. Moi, j'aime bien faire les icornes, ça me dérange pas. Puis, euh, c'était pareil, synonyme de la fin approche. Et j'étais contente. Donc, voilà, un sacré projet qui s'est terminé là. Euh, je vais pas refaire de couverture tout de suite hein, parce que là franchement j'ai donné même si j'ai beaucoup de reste encore et que j'ai de quoi faire des couvertures il n'y a pas de souci mais je me dis aussi qu'au bout d'un moment bah qu'est-ce que je vais en faire de mes couvertures je sais pas trop si j'en fais plein je suis pas sûre que les garçons récupèrent des couvertures super bariolées au niveau des couleurs je, je sais pas trop donc euh, enfin on verra bien mais celle ci elle est faite et elle sera parfaite pour l'hiver prochain hein, parce que bon un kg 2 quand même hein, sur euh, soi ça ça se ressent c'est pas mal d'ailleurs vous avez pu voir dans les petites vidéos au départ euh, je tricotais il y a le chat qui est venu s'installer dessus mais hop là à son aise complètement après j'avais les deux chats le deuxième est venu aussi je pouvais plus bouger c'était catastrophique non non les chats adorent mes couvertures ça y a pas de souci donc 1,2 kg de laine type fingering que j'ai doublé. Je suis vraiment contente. Donc voilà, c'est ça, c'est ça que j'ai tricoté ce week-end et que c'est terminé. Euh, bah, j'ai rien de plus aujourd'hui à vous montrer. J'ai avancé sur mes autres ouvrages mais je vous les remontrerai. Je pense qu'on fera un petit point de main sur mes tricots. Mais ouais, c'était le gros morceau que je voulais vous montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte le pull Kofi, un modèle de Laetitia, même les anges tricotent, que j'aime énormément, avec cette jolie dentelle sur tout le, toute la manche et qu'on retrouve aussi dans le haut du dos. Moi, j'ai fait la version avec euh, les cotes pour l'encolure euh, qui sont bien marquées là. Le centre est bien marqué. J'aime beaucoup. Que j'ai tricoté avec la base préconisée, c'est-à-dire BFL. Cachemire et soie de teinture lurée, c'est très doux, très agréable, très brillant. On filme beaucoup. Par contre, ça bouloche. Comme vous pouvez voir. Mais c'est normal, c'est le Cachemire qui fait ça. Euh, Audrey me l'avait dit, hein, m'avait prévenu, euh, bah, c'est une base qui bouloche chez le Cachemire, je le savais déjà, mon rose cardigan contient du Cachemire. C'est tout, c'est comme ça, on peut rien y faire. Mais ça m'empêche pas du tout de le porter, je le trouve super beau. Et puis maintenant ouais, j'aime beaucoup ce modèle très féminin. Dans les petites images avant, alors vous avez pu voir, il y a deux jours, et je ne vous en ai pas parlé hier, parce que j'ai oublié que j'avais filmé ça, j'ai rasé un peu les chaussettes des garçons, euh, je leur ai lavé celles de la semaine dernière, et puis après à les avoir fait sécher, j'ai vu quand même que comme ils les portent comme chaussons, qu'ils les portent sans, directement au sol tous les jours, il y a beaucoup de frottements dessus. Et donc euh, les leurs boulogent quand même pas mal. Donc euh, voilà, j'ai acheté, euh, j'ai fini par acheter un rasoir électrique. J'ai celui de chez Philips. Euh, J'en suis contente. Euh, et C'est vraiment très efficace parce que ben voilà, ça bouloge quand même pas mal euh, les chaussettes quand on les utilise en, en chaussons. Et euh, là je vous avoue par exemple celui-là, pour ce celui pull-là, j'aurais tendance à utiliser mon blinner. Euh, qui est un rasoir à bouloches sans pile, qui est plus doux, je trouve, qui va moins abîmer, il y a moins de risque d'abîmer son tricot avec un gleaner que le rasoir à bouloches. J'y vais, vais vraiment, là pour les chaussettes, ça fait vraiment des grosses bouloches, euh, j'y vais franco avec. Donc voilà, ça c'était le petit point chaussette euh, que vous avez pu voir avant, et là juste avant, je viens de rabattre les mailles de, mon, de ma deuxième chaussette. Et donc voici mes, ma paire finie. Alors tout juste fini. J'ai pas encore rentré les fils mais ça y est elles sont terminées. Alors l'une d'entre vous, voilà, c'est que moi son coup je sais pas, euh, j'avais pas le cerveau à ça, je, je vous avais dit, <laughs> pas peu fière de moi, de me dire que j'avais la même rayure ici juste après mes pointes. Sauf qu'en fait ça suivait pas pareil. Forcément, puisque mon tube, il se tenait comme ceci. Là, j'ai fait une pointe d'un côté de mon tube et j'ai fait une pointe de l'autre côté de mon tube. Et l'une d'entre vous m'a dit pour qu'elle soit dans le même sens, il aurait fallu que je fasse des côtes à ce niveau-là. Et là, c'est ce que je ferai la prochaine fois parce qu'en fait, euh, avec 60 mailles, euh, vu que je l'ai fait à la machine à tricoter avec un, le cylindre de 60 mailles, avec une tension un petit peu, euh, je pense que je pourrais faire un chouïa plus serré. D'ailleurs, euh, au pique a fait une nouvelle vidéo sur YouTube pour justement régler la tension et elle est très bien faite. On voit comment les, les mailles doivent être positionnées. Ben, C'est super bien fait cette vidéo là pour justement régler la tension de sa laine. Moi bon, non je pense que je suis arrivée au... Je, peux, je sais pas si j'aurais peut-être pu un tout petit peu plus de tension, mais je trouve que là elles me vont bien. En fait les 60 mailles comme ça, je trouve que ça me va bien. Et. Euh, et donc ça fait que ben, maintenant j'ai largement assez d'un mini de 20 grammes pour me faire des côtes, des pointes et des, un, un talon. Parce que avant j'avais tendance à la main. Après maintenant je tricote moins serré. Mais au début comme je tricotais serré je faisais 72 mailles pour moi parce que j'ai vraiment un pied fort. Et ça fait que ben, au niveau de, du mini de 20 grammes c'était tout juste, tout juste pour réussir à tout faire. En fait le talon, la pointe et les côtes et là en fait ben bah, on est large donc j'ai plus le problème de me dire euh, parce que moi, ce que moi ce que je faisais toujours avant c'était les pointes, le talon sur les deux chaussettes et avec le restant je faisais mes cotes. Maintenant bah c'est bon, je sais que j'ai de la marge, parce que vous voyez là mon mini, il me reste ça. Parce que comme elle était haute quand même ma chaussette, j'ai pas voulu faire trop de cotes. Donc je sais maintenant que je peux commencer par les cotes euh, avec euh, cette machine là. Je sais qu'avec 20 grammes j'aurai assez de laine. Donc voilà pour mes petites chaussettes, euh, j'ai plus qu'à rentrer les fils. Euh, on la file des deux. Ah, d'ailleurs, les chats, mais ça me fait trop rire. Vous partagez sur Instagram euh, des petites photos quand vous regardez mes vidéos. Et donc, il y a des chats qui regardent mes vidéos parce qu'il y a des chats dedans. Ou il y a des chiens aussi qui sont très attirés par les chats. Ça me fait trop rire. Euh, C'est un podcast maintenant euh, aussi bien pour tricoteurs que pour euh, les animaux. <laughs> C'est excellent. J'adore. Ah là là, euh, voilà, donc je vous disais la prochaine fois, je sais que ben, quand j'aurai fait mon tube, je ferai d'un côté une pointe, d'un côté euh, des cotes, et comme ça je pourrais vraiment à ce moment-là avoir mes deux chaussettes identiques. Mais c'est vrai que sur le coup, quand je vous ai dit elles bah, ne sont pas dans le même sens, euh, j'avais pas du tout la logique de pourquoi elles n'étaient pas dans le même sens, ça ne me venait pas du tout à l'esprit. Enfin voilà, celles-ci elles sont terminées. Je vais vous montrer l'avancée de mon gilet Enid. Parce qu'il a bien avancé. Et je vous montre. Voici le devant. Alors sur le devant, vous voyez, on a une partie toute en jersey. Mais on a une torsade. Juste une. Une grosse torsade là. Qui va être sur le devant et sur chaque demi-devant. Mais pour l'instant, j'ai qu'un devant de fait. Alors, je vous montre, là, vous voyez par exemple le dos. Et je vous montre le devant. Qui paraît mais immense. Vous voyez si je vous le mets là par rapport à... Quand on a relevé les mailles, là j'ai le dos et là j'ai tout le devant. Et c'est une construction un peu différente que je n'ai encore jamais réalisée. Euh, Nadia nous disait que ça existe déjà dans d'autres patrons, qu'elle l'avait déjà vu ailleurs. Moi c'est la première fois que je le fais avec un patron de Nadia. C'est qu'en fait cette ligne là, c'est pas en fait la ligne d'épaule. On va dire que c'est la ligne d'homoplate. Elle est située comme ceci, mais dans le côté dos quoi. Vous voyez plus bas, elle est pas ici, elle est plus bas, mais côté dos. Ce qui fait que quand on le pose, vous voyez là, j'ai ma ligne d'augmentation, hop, je la descends bien, je la mets au niveau de l'homoplate, et là, on est bon au niveau de l'encolure et du gilet. Voilà. En fait, on a vraiment cette partie-là qu'on a tricotée, elle va vraiment faire tout le dessus de l'épaule pour aller jusque le début du dos, et ensuite, on a le haut du dos. Je vais essayer de me retourner pour que vous voyez parce que c'est assez euh, bah, c'est déroutant au départ parce qu'on la quand on l'a jamais fait et qu'on sait pas et mais après bah voilà quand on sait à quoi s'attendre, c'est tout on suit et c'est très bien expliqué et finalement voilà, tout est euh, parfait mais c'est vrai que c'est assez déroutant quand on ne connaît pas. Voilà, là vous voyez, ma ligne d'épaule est plus basse. Donc j'ai bien le haut du voilà bon, là je le remonte un peu trop mais le haut du dos, il arrive en haut, au niveau du cou, mais euh, là, j'ai la ligne d'épaule qui est à peu près à ce niveau-là. Voilà. Bon, j'espère que vous avez bien vu. Donc, ça a été assez... Euh, ouais, ça a été assez... C'est assez particulier, mais euh, ça change. Ça change. Donc, voilà. Là, on aura, en fait, l'emman... Hop. Là, j'ai ma hauteur d'emmanchure... Quand je vais refermer ici, parce que là j'ai fini le demi devant devant, il, le demi devant, il est terminé. Je, je vais passer à l'autre, donc là ça veut dire que ça sera vraiment à la hauteur. Je vais, quand je vais tout reprendre, ça reviendra ici, ça joindra en rond ici. Donc là j'ai ma hauteur dans d'emmanchure pour ma manche, donc vous voyez j'ai tout ça là sur le devant, et hop là ça continue ici, et après seulement on a le dos. Donc c'est pas mal, ça change, c'est rigolo, et euh, j'ai hâte de voir ce que ça donne aux portées. Mais voici donc le devant. J'aime beaucoup, j'adore les couleurs. Je suis subjuguée par les couleurs de, de ce gilet. Donc là, je dois relever les mailles. De l'autre côté. Vous voyez, on avait la petite ligne là. Donc je vais relever les mailles et je vais faire l'autre demi-devant euh, bah, à l'identique. Alors ça va pas être compliqué de refaire la torsade. Ce que vous voyez, c'est en fait les deux morceaux là qui reviennent vers l'intérieur à chaque fois. Et en fait, bah, droite ou gauche, ça sera la même torsade. Donc il n'y a pas à se demander si on doit faire vers la droite ou la gauche. C'est toujours dans le même sens et ça sera pareil des deux côtés. Donc voilà pour mon gilet, pour mon gilet et nid. Et donc pour tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte le gilet Saiga, un modèle de Mylène euh, Folie Ordinaire. Oh, ce, ce gilet, je l'adore. Oh, oh, je m'approche il a un très joli raglan travaillé avec cette torsade. Il y a une, oui, y a des, une petite torsade ici, et puis il y en a une plus une plus grande là. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est une torsade celle-là. En bon, bref, vous voyez, des, un jeu de torsade. Euh, très très joli, avec là des lignes en. Côte semi-torse. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ce, ce raglan est très très joli. Et donc on a la même chose dans le dos et ça se rejoint sur le côté du gilet et ça se poursuit sur les côtés du gilet. J'adore ce modèle-là. Ça avait été dans ma recherche d'un gilet assez court, euh, que, proche du corps pour aller avec mes robes l'été. C'était le troisième patron que je faisais et j'avais enfin. Le modèle que je voulais. Je l'aime énormément, aussi bien le modèle que la laine utilisée. J'ai utilisé la laine de Nathalie de By Night, euh, sa base Full Moon, c'est la, son BFL, et j'aime parce qu'il se tient bien. Vous voyez, bon là, il rebique un peu, mais grosso modo, vous voyez, je le porte là, il tient bien contre moi, il est pas euh, tout tombant comme ça, c'est pas une laine molle, euh, il tient bien, il tient chaud. Ah ouais, je l'aime énormément. Mon. Saïga donc de folie ordinaire avec ce très joli jaune qui n'est pas du tout dans ma palette maintenant je le sais mais que j'aime beaucoup d'ailleurs j'ai pu revoir qu'il y avait l'atelier colorimétrie au Ch'ti Bazar là qui aura lieu au mois d'avril euh, bah, c'est chouette je, je crois que les, les, euh, les, euh, les créneaux ont été vite pris d'assaut moi j'avais adoré faire le mien c'est quand même quelque chose je, je vous l'avais dit au mois de novembre que je vous recommande de pouvoir faire en fait, on ne connaît pas sa colorimétrie. Euh, vraiment le faire avec une spécialiste, ou un spécialiste, ou un, voilà, avec une personne, euh, un conseiller en images, franchement, c'est top. Et moi, ça m'a vraiment changé mon point de vue sur ma garde-robe et euh, franchement ça a un, voilà, un impact maintenant sur mes tricots et tout donc ça m'empêche pas de porter ce qui n'est quand même pas dans ma garde-robe dans ma colorimétrie plutôt euh, parce que bah, c'est une pièce que j'aime, c'est une couleur que j'aime voilà mais c'est vrai que maintenant je fais quand même davantage attention à ce que j'achète et à ce que je me fais euh, parce que bah, maintenant j'ai connaissance de ma colorimétrie D'ailleurs le chez bazar alors c'est pas sûr mais normalement on devrait y aller. On a pu voir essayer d'y aller le dimanche matin alors on n'ira pas énormément euh, juste sur le temps de un peu de trois heures le matin et après on repartira parce qu'on va, on va profiter d'aller voir euh, la famille euh, sur l'île et donc on va peut-être faire un petit décroché par le chibazar euh, j'aime beaucoup cette édition printanière où il y a euh, notamment euh, la broderie tout ça alors il y a un petit peu de laine, il y a des teinturières que je ne connais pas de... que je connais que de nom mais je n'ai jamais vu à cette édition là il y a forcément des teinturières qu'on retrouve, qu'on a l'habitude comme la féfille et teinture lurée il euh, y a ma petite mercerie Justine, elle y est, une tasse de fil et d'aiguilles et puis voilà il y a des, des stands de broderie et franchement ça me plaît bien d'aller voir un peu tout ça, de découvrir cet univers que je connais pas tellement, donc on va essayer d'y aller. Donc voilà le petit bazar et on va, et ça c'est sûr par contre, euh, on va aller au laines fleuries qui y a à Grosflier et euh, ça j'ai hâte aussi ça sera début mai c'est le 4 et 5 mai pour nous c'est la fin des vacances scolaires à ce moment là on a les garçons donc on va y aller je pense le samedi et euh, je serai accompagnée de mes trois hommes et j'y retournerai peut-être le dimanche toute seule mais ça c'est pas encore sûr mais on va y aller ça ça c'est sûr on ira au moins le samedi euh, tous en famille puisque c'est pas très loin de la maison et euh, voir aussi alors là bas il y a pas mal d'exposants aussi on va retrouver il euh, y a l'aine de moutes après j'ai oublié, -ce il, y a il y a la roseraie euh, yarn euh, dont je vous ai fait gagner un écheveau il n'y a pas longtemps. et là, Elle m'a envoyé des écheveaux, je suis contente, je vais pouvoir la rencontrer en vrai. Il y a pas mal de petites teinturières que je ne connais pas. Et donc euh, ça va être vraiment sympathique aussi la, le, le festival laine fleurie que vous pouvez suivre sur Instagram. Euh, sinon, à part ça. Ah oui, aujourd'hui il y a un modèle qui sort. Le modèle Cousteau de Le style knitting Et je vous avais parlé de ces laines là. La semaine dernière que j'ai reçu de chez Woolbags. D'ailleurs avec je vous rappel, un petit rappel avec le code Laurien, vous pouvez bénéficier de 10% de remise sur tout son site. Donc j'ai trois écheveaux car euh, couleur noisette et un écheveau nuancé comme ça. Mon premier reflex été dit je vais faire le ZVEG parce que c'est un modèle que je rêve de faire. Jamais de son droit, ça ne sera pas un svek. Parce que après réflexion, cet écheveau là est super beau. J'adore, j'adore ces nuances. Alors, vous voyez, par exemple, on n'est pas dans ma colorimétrie, mais j'adore, j'adore ces couleurs là. Euh, cet écheveau là, je me suis dit après coup, il est super beau. Hein, il est nuancé comme j'aime. Mais pour la dentelle du j'ai un peu peur que si on perde le motif de la dentelle et qu'on le voie pas bien. Et puis là, j'ai vu d'un coup le style knitting a présenté un modèle qui donc, sort aujourd'hui le pull Cousteau, une marinière euh, avec des rayures sur le bas, le bas des manches, bon, la moitié des manches. Et ce que j'aime, c'est que tout le haut, bah, je vous mettre une photo en même temps comme ça, vous allez voir, il a comme des côtes. Bon, je sais pas, il y a des lignes. En fait, il est très structurée, il a des raglans très marqués, et j'aime beaucoup. Je le trouve super beau. Et là je me dis, bah, ça serait parfait. Euh, parce que ce coloris-là, il est... c'est un uni, c'est un solide, comme on dit. Donc on verra bien les, les, fameux, les fameuses lignes, euh, tous ces détails seront bien marqués. Et bah, cet écheveau là dans les rayures, ça sera top. Donc je pense que ça va devenir ceci. Voilà. Après je me suis réfléchie, j'ai repensé à ma façon de tricoter. Euh, J'aime bien, bien tricoter par saison, euh, mais les saisons sont jamais assez longues pour que je tricote tout ce que j'ai envie de tricoter dans la saison. Et là, je me suis dit, je vais tester une autre manière de faire, euh, de tricoter bah, tout, au, tout au long de l'année un, un ouvrage qui n'est pas de saison, c'est-à-dire continuer à faire bah, des pulls en mohair ou là, des pulls en fingering, même si tout doucement, euh, la saison, ça sera plus la saison de les porter. Donc, un, avoir un tricot de euh, automne-hiver. Sur mes aiguilles, en, en cours, avoir un tricot printemps-été et là je vais vous en parler. J'ai bobiné un écheveau justement pour commencer un nouvel ouvrage et ça sera un gilet là pour euh, le printemps-été. Euh, avoir un test sur mes aiguilles et ensuite avoir un châle parce que j'aime bien tricoter des châles. Donc, voilà, avoir quatre en cours, euh, quatre bon, grosses en cours et à côté avoir euh, une chaussette, faut pas exagérer. J'aime bien aussi euh, la petite chaussette nomade, c'est quand même pratique. Donc voilà, avoir quatre encore. Donc en ce moment, bah, j'ai mon Whitmore, en projet euh, automne hiver. Euh, je n'ai pas encore de, print de projet printemps été, mais je vous en reparle. En test, j'ai le, les Eni de pour Nadia et en châle, j'ai. Ah vous, je vous le remontre le Fiberfest Shawl de Steven West J'ai pas encore fait de chaussettes. Euh, j'ai pas eu le temps de le faire c'est bah, ça je le ferai un peu plus tard mais voilà je vais essayer de faire ça et en fait être comme ça tout le long de l'année euh, ou du moins jusqu'à l'été on en fait quand même continuer à faire des pièces pour l'hiver même si je vais pas les porter tout de suite euh, mais euh, c'est euh, ouais, tricoter surtout bah, des pièces pour l'été parce que si j'attends là de finir mes pièces d'hiver euh, bah, on est déjà quand même bientôt fin mars et après il faut faire j'ai envie de gilet mais j'ai envie de t-shirt et j'ai envie de top et donc faut que j'arrive à faire un peu tout ça moi bon, voilà je me dis je vais faire un petit peu de tout en même temps quitte à il y a des choses que voilà mon huit morts je vais pas le porter du tout bah ben, c'est pas grave là le pull costaud le temps que je le fasse que je le termine euh, je pense pas le porter cette année mais c'est pas grave au moins au euh, fin de l'été euh, début d'automne je l'aurai je pourrai en profiter en plus ça sera parfaitement les bonnes couleurs donc voilà voilà, et donc là en projet d'été, j'ai bobiné cette petite merveille. Oh, vous voyez bien le brillant. Que c'est beau, que c'est beau. C'est un fil d'eau russe, d'idier. Je m'étais fait plaisir en début d'année parce qu'une abonnée m'avait très gentiment offert un, un bon d'achat euh, chez Didier. Et cette base-là me, me faisait de l'œil. C'est sa base Teb Camel. 50% bébé chameau, 50% soie. Donc là, le coloris camel. Oh, que c'est doux c'est vraiment très très doux, c'est très brillant. Et j'en avais acheté 4 euh, échevaux. Donc j'ai 2 échevaux coloris camel et j'ai deux échevaux coloris rose sacré. Parce que je comptais en faire un châle. Mais finalement, plus j'y repensais, plus je me dis, c'est vraiment... Bah là on est quand même dans le luxe de la laine. Euh, c'est plus cher. C'est un peu... Je crois que ça doit être 30 euros les et Ce qui finalement, je trouve que c'est pas si cher que ça quand on compare par exemple euh, aux échevaux de la bien-aimée. La bien aimé, euh, c'est plus que 30 euros les chevaux pour euh, du mérino, donc euh, là finalement, euh, ouais, quand on compare, hein, c'est pas si cher que ça, mais voilà, par rapport à ce que Didier propose, ça fait partie de ses euh, chevaux les, les plus chers. Mais euh, voilà, c'est une fibre euh, bah, de luxe, quoi, qu'on n'a pas l'habitude. 50% bébé chameau, 50% choix, choix, c'est pas tous les jours qu'on va le tricoter. Et je m'étais dit finalement, un châle, ça m'embêtait un peu, je me suis dit, c'est dommage, je vais pas en profiter. Comme il se doit de cette laine là, c'est dommage. Donc j'ai cherché, alors par contre comme j'avais deux échevaux d'un et deux échevaux de l'autre, il me fallait un gilet qui soit bicolore, mais qui ait un beau drapé. Vous voyez pas quelque chose qui doit se tenir parce que là c'est tout mou, ça va être hyper fluide, il faut un beau drapé. Et mon choix s'est porté sur le Regan euh, d'Isabelle kremer Puisque vraiment il a une. D'après sa J'ai regardé un peu sa construction. Il a, on peut vraiment faire deux couleurs avec toute la partie en jersey d'une couleur et toute la partie dentelle de l'autre. Et j'ai chemin une abonnée qui m'a très gentiment offert euh, là, tout récemment le, le patron. Donc je me suis dit, allez, je vais me lancer. Donc je vais faire l'échantillon pour euh, bah, déjà voir si ça correspond bien, si ça va bien. Là, il y a 400 mètres pour 100 grammes. Hein, donc c'est considéré comme une fingering. Mais c'est vrai que c'est un fil qui est quand même relativement fin. Donc je vais faire l'échantillon et ça sera déjà, bah, voilà. comme ça je pourrai commencer mes ouvrages printemps-été. Et euh, je pense alterner comme ça à faire un. Euh, à faire quoi À faire un gilet, un t-shirt tout top, un gilet, un t-shirt tout top. Voilà, durant euh, bah là, les prochaines semaines, les prochains mois. Peut-être que je changerai, hein, peut-être que ça va pas me convenir, que d'un coup je vais me dire j'ai trop d'encours. Voilà, on peut tout adapter et tout. Mais euh, j'ai envie là de commencer les projets d'été, donc euh, je vais faire ça. Voilà. Et concernant le châle Hop, je vais vous le montrer. J'ai un petit peu avancé dessus. Alors, Je vous ai dit des bêtises. Euh, non, il n'y a rien qui... Ça, c'est pas comme du tout le Leo Exploration Station. Alors oui, il y, sec... y a des sections en rang raccourci, mais elles sont toutes dans le même sens. En fait, elles sont pas du tout euh, disposées de la même manière que le Exploration Station. Il est quand même bien différent. Hop, attendez, tout est emmêlé. Voilà ce que j'ai fait. Je vous l'avais montré, mais j'avais fait... Euh, la première section avec les. Moi j'appelle ça des bébés nopes, je trouve ça trop mignon. je trouve ça C'est rigolo à faire, c'est simple à faire. C'est pas que c'est rigolo, c'est que c'est simple à faire et j'aime beaucoup le rendu. La technique des rangs raccourcis euh, de... de Steven West crée des gros trous et en fait il joue avec, avec les, les trous que ça forme. Ensuite on a la brioche, alors elle est toute simple, il y a juste une augmentation en début de rang et après c'est euh, tout droit tout le long. Il n'y a pas beaucoup de rang. Moi, ça, ça me paraît vraiment pas compliqué parce que la brioche, je maîtrise complètement. Et c'est ça qui est compliqué de vous dire. Euh, parfois, vous me demandez bah, quel modèle vous me conseillez pour ça ou ça. Euh, bah, moi, avec mon expérience maintenant, euh, j'ai du mal à me dire à, pour un débutant, pour quelqu'un qui a jamais fait ce point-là, est-ce que c'est compliqué ou non. Moi, je peux vous dire, la brioche, je l'ai testée avec le Exploration Station. Je n'en avais jamais fait avant. Il y a des vidéos, je me suis lancée là-dessus. C'est comme ça que j'ai appris la brioche sans savoir où j'allais, sans savoir ce que j'allais faire. Moi, je sais pas, j'ai vu le modèle, je me suis dit, oh il est beau, je le fais. Je ne m'étais pas posé la question de s'il y avait un, un point particulier ou non. Et donc, vous voyez là, la section de, de bébé Nop, euh, elle est fine ici et elle est large là. Et en fait, bah, la suivante, elle est... Est-ce que ça se voit sur la suivante Oui, ça se voit. Elle est fine ici et vous voyez, au fur et à mesure, hop, elle s'élargit. De Ce côté-là. Voilà, bon, c'est pas encore fort voyant parce que j'ai que deux rangées. Que je vous avais dit en fait que là, donc elle était fine là, je vous avais dit à ah, la prochaine sera fine là et large de ce côté-là, mais non. Donc là, on avait le départ du châle qui sera pas le centre en fait, parce qu'ici on aura qu'un petit morceau, tandis que le châle va vraiment s'agrandir de ce côté-là. Et donc voilà, pour l'instant, on répète ça, on, respecte, on va répéter les sections de bébé nop avec des sections de brioche plusieurs fois avant de, de faire la suite euh, du châle. Et je suis vraiment contente de mes couleurs. Euh, J'étais un peu sceptique parce que c'est pas mes couleurs habituelles, j'avais un peu peur. Et euh, j'aime beaucoup le rendu. Bon, je ne sais pas du tout avec quoi je vais porter dans ma garde-robe, mais là tout de suite, j'aime beaucoup le rendu. Et la brioche de l'autre côté, hop, voilà ce que ça donne. Donc il avance tranquillement, c'est très agréable à faire. On... Voilà, une fois qu'on a fait cette section-là, on a compris, ça se fait bien. Ah ouais, et puis j'aime bien, moi j'adore Steven West, j'adore ses patrons de châle. Euh, ouais, on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, tout ça. Je, je valide, moi je suis une fan de Steven West. Donc voilà pour celui-là, voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais faire mon petit échantillon, je vous en reparle demain et on fera également le point sur mes autres ouvrages. Et non, j'ai oublié de vous dire, vous avez vu dans les petites images avant J'ai enfin lavé mes, retes, mes deux châles Red Katana. Parce qu'en fait, je les ai complètement oubliés le week-end dernier. Euh, voilà, bon, ils s'étaient terminés, je suis passée à autre chose. Je sais pas, ça m'est pas du tout venu. Parce que comme il n'y a pas, c'est pas un test, il n'y a pas d'urgence de photo, il n'y a pas d'urgence de rien en fait derrière. Je sais pas, je... ils étaient dans un sac à projet, je les ai laissés dedans et je les ai complètement oubliés le week-end dernier. J'étais tellement dans ma jing-so puzzle, blanquette, et puis on... dans du rangement, dans du ménage que franchement ça m'est pas venu à l'idée. Donc ça y est, là hier je les ai lavés, je les ai épinglés. Mais ils, ont... ils se sont quand même agrandis, ils sont quand même assez grands hein. pour deux échevaux de sport. Ils ont une belle taille. Et euh, je pense que je vous en ferai une vidéo dédiée. Euh, voilà je vous les remontrerai peut-être termine moi ouais, une fois qu'ils seront bien secs les fils rentrés puis de toute façon on fera des photos pour Instagram mais c'est ça que vous avez vu enfin avant je les ai enfin lavés voilà là c'est vraiment tout pour aujourd'hui On se retrouve pour la fin de ce vlog. Aujourd'hui je porte le Lace and Fade Boxy, j'ai eu du mal. De Rory Locatelli. Donc voilà, ce modèle qu'elle a fait en dégradé et que moi j'ai fait en version arc-en-ciel. Voilà, et puis avec cette petite dentelle. Il est vraiment parfait là pour la saison parce qu'il est très... Bah, il est boxy, donc ça veut dire qu'il est très large. Euh, et a ce côté bah, très ample et très, je trouve, léger et moi je l'aime beaucoup je l'avais tricoté avec le merino de chez knitting for olive alors c'est pas ma laine préférée mais j'avoue qu'en fait elle est assez légère et que peut-être là pour les vraiment les modèles de printemps c'est pas mal Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui alors je vais en profiter là je pensais le faire à la fin de la vidéo mais j'ai peur que ça ça aille pas parce que j'ai une petite euh, dédicace un message à à donner à quelqu'un et j'ai peur que la personne n'écoute pas jusqu'au bout de la vidéo donc je le fais en plein milieu, c'est pas grave, ça va pas prendre longtemps, vous inquiétez pas. Euh, j'ai été contactée par une personne qui, voilà, qui avec les aléas de la vie euh, se retrouve euh, euh, sans contact euh, avec une tricoteuse. Cette personne là c'est très bien que cette tricoteuse regarde mes vidéos et elle m'a contactée, chose que voilà, j'ai été surprise mais très touchée par la personne, parce que c'est pas évident d'aller vers un inconnu, mais voilà, il m'a dévoilé un peu une partie de lui et j'étais très touchée. Et donc comme je vous le disais, il n'est plus en contact avec une tricoteuse. Il m'a demandé si j'acceptais de le faire passer un petit message pour justement la destination de cette personne. Donc c'est Ulila. Si jamais euh, tu es là et que tu regardes cette vidéo, ce message il est pour toi. Et donc j'ai accepté parce que j'ai été très touchée. Euh euh, par cette personne-là et donc je vous je transmets le message donc Ulila de la part d'eux. Euh, voilà je suis pas sûre de bien le dire. Scud, scud. Euh, sache qu'il a porté ton pull tout l'hiver. Apparemment la laine que tu avais acheté euh, à un festival dans l'Ariège donc je suppose que c'est le and Music. Euh, donc voilà il a porté ton pull tout l'hiver. Il envisage d'acheter un rasoir anti-bouloche pour lui donner un petit coup de de propre hein, comme quoi il l'a bien porté. Il pense fort à toi et il te souhaite le meilleur euh, dans le tricot, mais surtout dans ta vie. Voilà. Donc, bon, bah, Ulila, j'espère que tu auras vu cette vidéo-là et que tu auras eu le message de cette personne-là. Donc, voilà, c'est la petite parenthèse euh, qui me tenait quand même à cœur de le faire pour aider euh, cette petite personne à faire passer euh, le message, malgré euh, ce qu'ils ont pu vivre et la distance qu'il y a maintenant entre eux. Bon. On va pouvoir parler tricot. Alors, je vais vous parler d'abord de mon de mon châle, le Fiber Fest Hop de Steven West. Je vous montre. Oh, J'aime beaucoup. Euh, je sais que j'avais commencé, j'avais fait deux rangées, je crois. Donc, j'ai terminé la deuxième section de bébé nop. Et voyez, là, vous le voyez bien. En fait, toutes les sections, elles débutent à ce niveau-là. Elles sont fines et elles sont larges de ce côté-là. Donc vous voyez le départ du châle il était là. Là j'ai quand même déjà tout ça de ce côté-là. Mon câble est déjà Hop, un peu juste. Et là je suis dans la deuxième section de brioche. Donc on a refait une section avec les grands jetés. Et là je refais la brioche. Je sais pas, hein, j'ai pas regardé, mais je pense, on répète ça plusieurs fois. C'est pas redondant parce que je trouve que les sections se font vite. Donc pour l'instant il n'y a pas non plus énormément de mailles mais euh, je trouve ça très rigolo à faire et comme moi euh... oh franchement je savoure je savoure ces, peu... ces petits rangs là de de ce point là c'est très simple à faire j'aime bien et puis comme je vous l'avais dit c'est ouais, je le fais une fois et je pense que je le referai jamais donc je suis vraiment contente ah oh non je prends beaucoup de plaisir puis je me suis dit bah, c'est un Steven West quand même avec juste trois échafaud il est pas immense en taille euh... ouais. Je sais bien avec mon expression, euh, je me doute bien qu'il va être quand même assez grand parce que 3 écheveaux. Mais euh, voilà, on n'est pas sur 4 ou 5 écheveaux comme il, il aime bien faire. Donc je me dis qu'il est quand même aussi plus abordable en termes de laine, de quantité de laine. Donc voilà pour mon Fiber Fest Shawl qui avance tranquillement. Oh, je l'aime énormément. Il est super beau. Donc voilà pour lui. Il n'avancera pas du week-end. Ce week-end, je vais me concentrer sur un ouvrage et je vais vous, vous en parler tout de suite. Je vais me concentrer sur mon Whitmore cardigan. Oh, qu'il est beau. Je l'aime beaucoup. Je vous montre. Alors, j'en étais là, quand je vous l'ai montré. J'ai tricoté tout ça sous le corps. Et je vous montre. Alors, est-ce que vous allez le voir Hop. Et là. Alors, vous le voyez, mais c'est. Ouais, si vous le voyez, c'est peut-être même quand même plus plus frappe, en fait c'est un peu trop lumineux que là j'ai mon premier écheveau et là j'ai mon deuxième écheveau et ça fait des grosses marques vous voyez, c'est ce qu'on appelle en fait le pooling, alors il est léger, hein. c'est un léger mais euh, vous voyez ça fait des grosses zones là, alors c'est atténué quand même, alors, au début je m'en suis rendu compte hein, quand j'ai commencé à changer mes écheveaux euh, j'avais fait euh, 10 rangs, je voyais quand même un peu la différence mais je me disais le mohair a atténué quand même euh, ces variations de couleurs. C'est normal que les échoues, hein, quand ils sont, ma façon même déjà d'une pelote, si vous ne les avez pas du même bain, ils ont des différences. Et puis leur latin à la main, on ne peut pas avoir deux fois la même chose. Et euh, mais voilà, j'ai tricoté tout ça cette semaine et force de, me, de constater que bah, j'ai des grandes marques que je n'ai pas en haut. Et ça me dérange. Ça me dérange. Euh, C'est pas choquant. C'est franchement. Euh, j'ai des tricot avec des démarcations entre des, des chevaux bien plus bien plus tranchés et tout euh, je pense à mon gilet cachou qui a un écheveau là il y a un écheveau là il y a un écheveau encore différent pour les manches hein, franchement il est, il, est, il est tricolore mais je sais pas là ça m'embête parce que vraiment alors euh... je sais pas mon cachou je sais que je l'avais pas je vais pas détricoter pour le tricoter parce que c'était un gilet donc en aller-retour c'est déjà un peu moins voilà, tout en rond c'est quand même plus agréable, et il y avait les torsades, et donc euh, non, je l'avais laissé, euh, j'avais gardé le choix de le faire comme de le laisser comme il était. Et puis en bah, fusion, mes trois échecs étaient quand même très différents et je me pff, voilà j'avais pas eu la foi de, de beaucoup détricoter et de tout refaire. Mais là je me dis que je vais détricoter. Je veux détricoter parce que bah, ça me gêne. et pff, Je sais que ça m'empêcherait pas de le porter, je sais que c'est pas choquant, mais je sais pas. Je sais pas, là pour le coup, voilà, ça me, ça me plaît pas donc je vais détricoter, donc quasi une bonne partie du corps et puis je vais alterner mes échaux. Voilà, c'est tout. Je me dis que c'est pas grave, bon bah c'est quand même plusieurs heures de tricot en moins, mais, euh, mais c'est tout. C'est un mal pour un bien euh, et j'en serai d'autant plus contente après. Alors je l'ai essayé, je l'ai passé, il me va très bien. Euh, voilà, s'il si prend un tout petit peu en largeur. En, en largeur au moment du lavage, du blocage, mais de toute façon je m'en doute pas, la, la, la dentelle va s'étendre de, un peu. Euh, franchement il aura la bonne taille, donc euh, je suis vraiment contente au niveau de la taille. Mais ouais non, c'est pas choquant. Euh, je trouve que là avec... il y a tellement de lumière que c'est même pas si voyant que ça pour vous. Mais moi je sais pas, ça me... Je l'ai essayé et moi j'ai l'impression de voir que ça, donc euh, bon. Je vais détricoter, donc euh, bah, au moins euh, tout ça là, pour reprendre et alterner. Donc je me suis dit que ça sera mon tricot du week-end, histoire de rattraper un peu le, le temps perdu. Mais bon, j'en serai que d'autant plus contente après. Et là je me dis que vraiment, il va vraiment falloir que je, que je cherche pas et que je. Comment dire ça Que j'alterne mes échoux hein, surtout mes pulls, parce que quand même que. Quand ça nous arrive, euh, deux échaux qui sont quand même assez contrastés, euh, qui ont des différences, ça fait quand même pas plaisir. Donc je pense que bon, pour arrêter de détricoter, retricoter, peut-être maintenant toujours alterner les échaux ça serait pas mal. Je sais bien que si je tricoterais de la laine industrielle, il n'y aurait pas ce souci-là. Mais la, les couleurs industrielles, ça a pas... C'est pas pareil. Je trouve que les couleurs teintes à la main, il n'y a pas le même rendu, tout ça et... Ouais, c'est pas du tout pareil. Et oui, c'est la contrainte des échevaux teints à la main. Il faut alterner, hein, ils le disent, hein, tous les teinturiers le disent. Mais voilà, un peu juste, j'ai été euh, flemmarde de le faire. Bon, bah c'est tout. Euh, j'ai joué, j'ai perdu. Je vais détricoter et recommencer en alternant. Mais je crois qu'à l'avenir, maintenant, j'alternerai un peu sur tous mes encours pour ne plus avoir ce souci-là. Et donc, le dernier encours, sur lequel j'alterne pas mes échevaux. <laughs> Ouais, ah, peut-être que j'y pense, je sais pas. Ouais. Oh. Non, là en fait j'ai déjà tellement de fils que je vais pas alterner mes écheveaux parce que je m'en mêle déjà assez comme ça. Mon gilet nit que je teste pour Nadia. Ouais, il faudrait, hein. je sais pas. On va voir, on en reparlera la semaine prochaine. Le voici. Oh, il est beau, j'adore. J'adore, j'adore. Il a ses deux demi devant et il a des manches. Ça y est, j'ai tout rejoint. Donc vous voyez quand il va être porté, il va être comme ceci sur le devant et si je me hop si je le tourne voyez ça sera à peu près comme ceci vous voyez où tombent les augmentations voilà donc je l'ai passé lui aussi au niveau de la taille on est bien j'en suis vraiment contente ah je suis vraiment fan des couleurs donc je vois j'ai tout juste rejoint et je me suis arrêtée j'ai rejoint en haut voilà donc là, il n'y a plus qu'à dérouler tout le corps. Euh, oui, je viens de vous dire qu'il faudrait que j'alterne les échevaux. Mais j'avoue que là... Bah, Peut-être un peu quand même pour euh, passer du premier au deuxième. De toute façon, maintenant que j'ai fait quand même tout ça avec le premier écheveau... Hein. Mais maintenant, ouais, j'aime beaucoup le rendu des couleurs. Donc voilà mon gilet Enid. Donc je n'avancerai pas du tout dessus ce week-end. Hein. Vraiment, là, je vais, je filme. Pendant le montage de la, cette fin de vlog, je vais détricoter tout mon Whitmore. Et ensuite, euh, je vais, euh, je le retricoterai ce week-end. Et lui, je le reprendrai avec mon châle la semaine prochaine. C'est pas grave, ce n'est pas grave. Alors j'ai ça, j'ai ça, et je peux vous montrer mon petit échantillon. Hop, mon petit échantillon fait avec la base euh, Teb Camel de Didier au film d'Horus. Alors on est bon en taille, je suis contente, j'ai la bonne taille. Euh, C'est un fil qui a vraiment besoin d'être lavé et qui se révèle au lavage. Euh, les mailles ont. Je trouve que le fil il gonfle un petit peu, les mailles se sont remplies, c'était plus ajouré quand je l'ai tricoté. Le rendu est vraiment très joli, il est très, euh, très léger, très aérien. Donc ça va être parfait pour mon gilet. Voilà. Mais ça, ça sera que pour la semaine prochaine, hein, parce que bah là je vais détricoter et retricoter. Oui, je me frotte. Alors là, euh, ça fait rire les copines. À chaque fois, les échaux, je, je me frotte dessus. Et euh, non, c'est super doux. C'est très doux, très brillant. Ah, ça va être chouette. Très léger. Donc, euh, ben bah, voilà. Pour aujourd'hui, on a fait le tour. Bah, ouais, j'avais rien de plus à vous montrer. Si ce n'est que bah, je vais détricoter mon 8 hein. C'est des choses qui arrivent. Euh, il a quand même fallu que je tricote euh, parce que je suis arrivée au cote en fait j'aurais pu commencer les cotes il a fallu que j'arrive jusqu'au cote pour me dire que ben non ça me plaisait pas je me dis voilà autant le détricoter pour bien le reprendre et je serais vraiment très contente à, après en ayant alterné mes échevaux donc bon c'est tout défaire et refaire c'est toujours faire hein, un truc comme ça ça reste du tricot ça reste du plaisir et c'est ce tout ce qu'il faut retenir donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Euh, je vous souhaite un bon dimanche si vous le regardez dès qu'elle sort. Ou sinon je vous souhaite une bonne semaine. Et on se retrouve donc euh, la semaine prochaine pour un nouveau vlog. En attendant je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous le regardez et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye